Salut, bienvenue sur ma chaîne. La majorité des personnes qui souffrent de la goutte ou même de l'arthrose vous diront qu'il faut être atteint de ces maladies pour comprendre le degré de douleur qu'elles peuvent provoquer. Ces douleurs au niveau des articulations sont tellement intenses qu'elles peuvent parfois devenir handicapantes et vous empêcher d'effectuer vos activités au quotidien. Si vous êtes atteint d'arthrose ou même de goutte, vos articulations vous font mal, votre douleur devient de plus en plus insupportable et vous ne savez plus quoi faire. Et si le remède était simplement dans votre cuisine, la douleur infernale causée par la maladie des articulations peut vous pousser à avaler des doses importantes de médicaments anti-inflammatoires. La consommation prolongée de ce type de médicaments risque de provoquer chez vous une panoplie d'effets indésirables. C'est pour cela que la meilleure solution est de se tourner vers tout ce qui est naturel. Nous allons donc parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons vous présenter un remède simple, facile et surtout en l'espace de quelques semaines, cette recette va contribuer à diminuer de façon considérable votre douleur et à améliorer votre bien-être. Avant de vous donner la recette, nous allons définir brièvement ces deux types de maladies qui causent ces douleurs articulaires. Mais avant toute chose, si jamais vous êtes nouveau ou même encore nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, pensez à le faire et à cliquer sur la clochette de notification, likez et commentez, mais surtout partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes via vos réseaux sociaux favoris, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Facebook. Et bien sûr, si jamais vous avez déjà expérimenté la goutte ou même l'arthrose, n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous dans les commentaires. Dites-nous comment est-ce que vous en êtes débarrassé, si vous en êtes déjà débarrassé. Sinon, dites-nous comment vous faites pour vous en sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arthrose? L'arthrose est une affection qui est caractérisée par une inflammation des articulations et peut toucher une ou plusieurs articulations de votre corps. Contrairement à ce que l'on peut penser, cette maladie ne touche pas les personnes âgées. Elle peut aussi subvenir chez les adolescents. L'arthrose peut être causée par plusieurs facteurs comme l'obésité, le diabète, l'hérédité ou même encore certains traumatismes mal soignés. Maintenant, nous allons parler de la goutte. Sachez que c'est une maladie chronique qui provoque des douleurs intenses au niveau du gros orteil, mais aussi dans d'autres articulations comme les chevilles, les coudes ou même encore les genoux. Cette pathologie est causée par une concentration élevée d'acide urique dans le sang. Quand cet incident arrive dans les articulations, des crises de goutte sont déclenchées. Comment diminuer la douleur avec un ingrédient naturel que vous avez chez vous? Contrairement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, l'aspirine, l'utilisation d'ingrédients naturels ne présente pas de risque pour votre santé et vous permet d'atténuer votre douleur sans vous faire mal à votre estomac ou même à vos reins. Essayez ce remède simple et économique et ne souffrez plus. Ingrédients: un concombre de taille moyenne, deux branches de céleri bio, une racine de gingembre, un demi-citron. Préparation: nettoyez soigneusement tous les ingrédients, coupez le concombre et le céleri en rondelles, ajoutez le citron et le gingembre, mettez tous les ingrédients dans un robot mixeur et mixez jusqu'à l'obtention d'une boisson. Buvez cette boisson deux fois par jour et vous remarquerez une amélioration de votre état de santé. Il se peut aussi que vous ressentiez des douleurs légères au début. Cela signifie que la recette a bien fonctionné, n'interrompez pas le traitement. Maintenant, vous vous demandez sans doute comment ces ingrédients que vous consommez de manière quotidienne peuvent vous aider à vous débarrasser de cela. Voici une liste de bienfaits de ces ingrédients naturels. Le concombre: ces légumes contiennent une quantité importante d'eau. Ils contribuent à hydrater l'organisme tout le temps et aussi aident à le détoxifier. Sa forte teneur en dioxyde de silicium lui permet de renforcer vos articulations et en renforçant les tissus conjonctifs. Et son pouvoir alcalinisant aide considérablement à la cristallisation des acides uriques dans les articulations. Le céleri: cette plante est riche en vitamines et possède des propriétés anti-inflammatoires qui vont vous aider à vous débarrasser des douleurs articulaires. Le gingembre: en plus de ses nombreuses vertus et de son goût rafraîchissant, le gingembre est un anti-inflammatoire puissant. Il est utilisé en médecine traditionnelle afin de réduire des douleurs. Le citron est un anti-inflammatoire naturel qui contient également une quantité important de vitamines qui aident à renforcer les articulations. Finalement, il faut noter qu'une bonne hygiène de vie est indispensable afin de réduire les symptômes de l'arthrose et même de la goutte. Nous vous conseillons de ne pas forcer sur vos articulations, sur vos muscles. Apprenez à bien respirer, à vous détendre. Limitez la consommation de protéines animales. Buvez une quantité suffisante d'eau afin d'hydrater votre organisme et d'éliminer les toxines et même les déchets. Si vous êtes en surpoids,
pensez à perdre le poids que vous avez. Et pour ce faire, je vous présente une magnifique tisane qui s'appelle Mimosa, vendue sur le site rosomunifashion.com. Cette tisane vous aide à perdre 10 kilos sur le mois. C'est tout simplement exceptionnel. Misez sur une grande consommation excessive de cela. Bien sûr, vous pouvez aussi consommer le gingembre ou même le citron. Ça peut provoquer des effets indésirables comme par exemple l'irritation de l'appareil digestif, les problèmes cardiovasculaires. Cette boisson est déconseillée aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent, aux personnes souffrant de maladies, de diabète ou même les personnes chétives. Ce traitement ne vous dispense pas d'un suivi médical. Si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Rosemunifashion. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!